collège au Brac, nous on est en grève depuis une semaine. On est. Merci pour le soutien. Donc on est en grève de façon illimitée. Donc pour l'instant, le mouvement continue. On est en grève pour une raison qui est très simple, qui est la suppression de tous les moyens, de toutes les heures qui étaient dédiées à notre collège en tant que collège REP+, donc d'éducation prioritaire. Et donc on nous supprime tous ces moyens qu'on avait en plus. Donc ça nous permettait par exemple de faire des ateliers lecture dans des petits groupes pour tous les élèves qui arrivent au collège Lucie Aubrac et qui ont un niveau de lecture hyper faible. Ça permettait de faire de la réussite éducative, de faire du co-enseignement, donc d'avoir deux enseignants par classe. Et donc ça permet en fait de venir en aide de façon bien plus individuelle à tous les élèves qu'on a au collège Lucie Aubrac. Et le rectorat de Grenoble a décidé cette année que les moyens de l'académie seraient répartis uniquement selon le nombre de classes par établissement. Donc on a 17 classes, on a 26 heures plus 3 heures fois 17 classes, point barre, c'est-à-dire que le collège Lucie Aubrac, le collège Vercors, tous les collèges REP et REP+, se retrouvent avec la même dotation horaire que le collège Champollion, le collège de Coran, le collège de Mélan, peu importe. Donc en fait, la catégorie des établissements, le public accueilli n'est plus du tout pris en compte. On a une audience au rectorat avec le directeur des services académiques qui a eu lieu mardi soir. Et cette audience n'a rien donné. En gros, on va pas se mentir. Voilà, on s'y attendait un peu. Cette audience, en gros, on nous a dit que c'était la nouvelle politique de l'académie de mettre tous les collèges sur un pied d'égalité et que la seule chose qui distinguait un collège REP+ d'un autre collège, c'était l'effectif à 25 par classe. Et c'est tout. Voilà. Donc... à la DASEN mercredi 1er février à 17h, donc en fait ça semble pas poser de problème que le collège soit bloqué pendant plus d'une semaine, quoi. Enfin, donc on sent bien qu'il y a vraiment un grand mépris de la part de la DASEN, quoi. Et moi je tiens vraiment ce soir à dire un immense merci à tous les parents du quartier de la Villeneuve, à toutes les assos du quartier de la Villeneuve, à tous les gens qui nous soutiennent depuis le début de la semaine, et vous faites vraiment un travail qui est incroyable. On est aussi très soutenus par les parents. On vous donne rendez-vous mercredi à 14h, il y a un gros rassemblement au rectorat. On va faire du bruit, il faut qu'on soit nombreux, il y aura tous les collèges qui sont en grève, on n'est pas les seuls sur Grenoble, hein. Il y a Vercors, il y a Gérard Philippe, il y a Aimé Césaire qui va se mettre en grève jeudi, je crois. Donc voilà, le but c'est d'être nombreux, c'est de venir à très nombreux pour que le rectorat il comprenne que là, ça commence à être vraiment... Il y a beaucoup de colère. Ay, que panadera, ay, que panadería, el alma me lleva.